Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale pleine lune du 9 octobre 2022. Alors, pleine lune en bélier à 22h55 et c'est la première lune de la saison automnale. Je suis ravie et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, nous allons faire 13 cartes avec le jeu de 32, 13 cartes avec l'oracle des miroirs et 13 cartes avec Monsieur Béline. Voilà, c'est parti pour notre pleine lune du 9 octobre 2022. À la coupe, waouh, du triomphe. Ah, des bonnes nouvelles arrivent, les amis. Des bonnes nouvelles arrivent. Des nouvelles qui étaient peut-être retardées. Il y a eu un contretemps, en tout cas. Vous allez en entendre parler et c'est une réussite. Hein. C'est peut-être un entretien, un imprévu, quelque chose qui se passe là. Ah, attention. Alors, pour d'autres personnes, il peut être question, ces nouvelles, elles sont là, bien entendu. Mais il y a un contretemps. Pourtant, il y a une réussite. Hein. La réussite, elle est là. Mais il y a un imprévu. Est-ce qu'il y a un contretemps, un retard, un blocage? Voyez voir un peu, c'est un événement qui est au lointain, qui est dans une autre ville, un autre département, une autre région, qui n'est pas proche de vous en tout cas. Allez, c'est parti pour nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, hop. Alors, nous avons, de la colère. De la colère, les amis. Ben, la colère par rapport à quelque chose qui devrait être réussi ou quelque chose qui devrait, en principe, vous apporter une satisfaction. Ou pour vous, ma consultante, si vous êtes veuve célibataire, que vous avez plus de la cinquantaine, pour une personne âgée autour de vous ou pour votre maman, il y a une colère par rapport... alors, il y a également votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Il y a des papiers administratifs. Est-ce que vous êtes concerné avec des démarches? Il y a beaucoup d'hommes. Il y a des hommes. Est-ce que ça peut être en rapport avec votre chéri? Vous allez avoir être au courant. Hein, il y a quelque chose qui, en tout cas, qui vous met en colère par rapport à la réussite ou d'une dame plus âgée que vous, ou en rapport avec une dame plus âgée que vous, ou pour votre maman d'ailleurs, hein, ou bien... il y a de la colère concernant également votre fils, votre meilleur ami, votre frère, ou bien avec également envers un monsieur qui présente bien, qui peut être aussi votre conjoint s'il est plus jeune que vous, hein, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. On voit qu'il y a une histoire de papier administratif, là. Il y a quelque chose dont vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ça peut être d'ailleurs un entretien ou un rendez-vous. Il y a de l'imprévu qui s'amène à vous, et on voit bien que c'est bloqué, c'est peut-être ce qui vous met d'ailleurs en colère. On l'avait vu tout à l'heure à la coupe. Alors, nous avons des nouvelles, nous l'avons vu également tout à l'heure. Des nouvelles, lettres, courrier, SMS, là c'est plutôt des nouvelles par courrier. Hein. Ça va occasionner un petit déplacement. Vous allez devoir faire un petit déplacement, c'est pas loin de chez vous ça, hein, le 8 de carreau, c'est un petit déplacement. En rapport avec le foyer, la maison. Bien, des nouvelles qui vont occasionner un petit déplacement par rapport à la maison. En rapport à la maison, mais pas dans votre foyer parce que là, c'est retourné, vous voyez. C'est concerne un nouveau départ, hein. Ça concerne quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place ou vous voulez démarrer. Hein. Pour d'autres, vous pouvez apprendre aussi une grossesse, avoir des nouvelles d'une grossesse. Oui, peut-être pour vous-même également, vous vous déplacez parce que peut-être qu'il y a un rendez-vous en rapport avec une grossesse. En tout cas, on voit aussi des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont, ou peut-être une convocation par exemple, ou une invitation à vous déplacer en rapport avec la maison pour démarrer quelque chose de nouveau.
Et oui, effectivement, c'est bien, là, c'est des bonnes nouvelles d'ailleurs, c'est la carte qui est très forte. Et c'est en rapport avec d'excellentes nouvelles pour démarrer quelque chose. Alors, projet. Ah, ben oui, projet, puisque là, nous avons l'argent. Donc, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent pour vous, en tout cas. Avec certitude, les amis. Attention, ça vous mine un petit peu, ça vous perturbe. Peut-être que ça a été rapide comme nouvelle, et donc ça vous fait peur, ça vous perturbe, ça vous mine. Il y a un petit peu, c'est pas de contrariété, mais bon. Alors si maintenant il peut y avoir de la contrariété avec une dame de carreau, il y a une femme mauvaise autour de vous, mais cette femme elle-même a quelques soucis, hein. Vous pouvez entendre parler d'une femme qui est malade, quelqu'un qui ne vous aime pas en tout cas. Alors, nous avons des projets, nous avons des sentiments. Là, il y a peut-être qu'il y a une dame de carreau dans vos projets, une femme qui n'accepte pas vos projets. Mais sachez qu'avec ce 8 de pique, elle n'est pas bien non plus, hein. Alors, eh ben, écoutez, elle peut être proche de votre homme, parce que là, nous avons un homme de cœur, un homme qui vous aime, un homme avec, c'est votre chéri. Est-ce que cette dame de carreau, c'est son ex? Est-ce que c'est une belle-mère? Vous voyez un peu comment ça vous parle. En tout cas, il y a les proches de lui, donc je pense que je dirais, comme on a en plus l'as de cœur, nous sommes peut-être dans familial. Quelqu'un qui jalouse vos projets, en tout cas. Et voilà, on voit bien, en tout cas, qu'avec cet homme, les projets, ce sont les changements, les déménagements, les voyages. En tout cas, avec ce 10 de carreau, c'est un grand changement. En rapport avec la profession, en rapport avec l'activité du moment, vos activités, vos démarches, en rapport aussi avec certainement de l'argent. Alors, c'est un très beau tirage, hein. On voit très bien des nouvelles qui arrivent concernant des changements. Vous allez devoir vous déplacer. Ça concerne le foyer, la maison, avec certitude des nouveaux projets. Un démarrage de quelque chose qui a lieu aussi avec, à mon avis, votre chéri. C'est votre chéri qui est plus concerné là, mais si c'est dans votre jeu, forcément, ça vous touche. Ou bien, si vous n'avez pas de chéri, ça peut être un ami, quelqu'un en tout cas qui est proche de vous. Ça peut aller même jusqu'à un de vos enfants, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, c'est une dame qui n'est pas gentille autour de vous. Nous avons une femme, une mauvaise femme, j'ai envie de dire, mais même elle, d'ailleurs, dans sa tête, peut-être qu'elle n'est pas bien. Elle a l'air d'être proche de votre mari, de votre conjoint, de votre fils. En tout cas, il y a du changement qui est là, qui est bien présent. Même s'il n'est pas signé, on n'a pas la signature. En tout cas, ça concerne bien le foyer, la maison. Alors, on fait les associations. J'ai 2, 7, non. 10, 1, 2, 3. J'ai 3, 10. 3, 10, là, on est dans le changement. Et c'est ce que je venais de dire, changement à l'horizon. Confirmé, effectivement, par ces 3, 10. Nous avons un gros changement qui s'amène, qui est là. Et en plus, nous avons la carte des finances, des gros gains. Ensuite, les neuf, j'en ai deux. Les as, non. Les 10, si on l'a dit. Les 8, 1, 2. J'ai 2, 8. Bon, c'est tout. Allez, on fait notre synthèse. Donc là, nous avons des nouvelles qui concernent un nouveau départ, qui concernent pour certaines personnes une grossesse, hein. Vous pouvez démarrer aussi un nouveau projet. Votre homme de cœur est là, il est ici avec certitude. Votre homme de cœur, peut-être qu'il y a quelque chose qui perturbe concernant un projet. Peut-être est-ce que votre homme de cœur aussi est perturbé concernant le sentimental. C'est possible également. Nous avons de très bonnes nouvelles qui arrivent au niveau professionnel pour certains, au niveau activité pour d'autres, au niveau qui touche le domaine financier. Et on voit très bien que vous allez devoir vous déplacer en rapport au foyer, maison, immobilier. On voit très bien que ça concerne un grand changement. Les finances sont là. La 10 de trèfle, c'est un gros gain d'ailleurs, hein, et bien en rapport avec le changement. Mais attention, autour de ça, on va en remettre une sur elle. Vous avez la dame de carreau. Alors, on va en remettre une sur cette dame de carreau. Voir un petit peu ce qu'elle nous veut. Un face-à-face. Ah, alors, ce qui peut aussi
avoir lieu, c'est que dans le domaine des finances, par exemple, ça peut être une banquière. Je dis toujours que la dame de carreau représente, milieu professionnel ou banque, quelqu'un, une femme, qui est, je ne vais pas dire froide, mais vous savez, droite, qui sait ce qu'elle veut, qui est un peu autoritaire dans certains corps de métier, et c'est obligé. Donc c'est peut-être en rapport, puisque je vois qu'il y a un face-à-face, ce grand changement peut-être est en rapport avec une femme que vous allez devoir côtoyer. Ou bien ça peut être tout simplement dans votre environnement. Concernant ce changement, ben peut-être qu'il y a un face-à-face qui va s'imposer, sachant que ça peut être avec une femme qui ne vous aime pas. Bien, nous allons maintenant prendre notre oracle des miroirs, voir un petit peu si nous retrouvons tout ceci, ou voir si nous avons d'autres messages. Alors, notre pleine lune du 9 octobre 2022, pleine lune en bélier, du 9 octobre. Alors, un voulu tomber. On se projette. On se projette. On a vu la carte de la grossesse tout à l'heure. Est-ce qu'on se projette de vouloir un enfant? Est-ce que l'on fait ce genre de projet? Ou bien est-ce qu'on se projette dans ses nouveaux projets, dans quelque chose que l'on veut démarrer? C'est ce qu'on a également vu dans le jeu. Alors, pleine lune du 9 octobre 2022. Oh, attention, on est un petit peu... Ouh là là, on n'est pas bien là. La santé nous pose quelques petits problèmes. Ça peut être tout simplement émotionnellement, puisqu'on se projette. Et peut-être que ça nous travaille, parce qu'il va falloir se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Mais regardez, c'est pour du changement. Alors peut-être qu'effectivement, ça vous mine ce changement. Peut-être que ça vous fait peur aussi. Ça peut être soudain, ça peut... Voilà, quelquefois, on n'est peut-être pas préparé à 100% à un changement. Il faut peut-être vous séparer d'amis, vous séparer d'un lieu, de quelque chose, mais vous allez vers un changement. Oh là là, et regardez derrière, miroir magique, les amis. Donc, c'est vraiment très beau. Mais on voit très bien que ce changement vous perturbe. Si c'est dans le domaine sentimental, ça peut effectivement être une nouvelle rencontre qui vous perturbe un petit peu. Allez, une, deux. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui, bien. Nous allons regarder au dos. Nous avons, vous voyez, on retrouve, il faut se séparer. Vous allez devoir vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour certaines personnes, bien entendu, c'est elles où vous êtes concernées, mais vous allez vers un changement. C'est pour un mieux, c'est pour un changement. Alors, c'est pour vous, mon consultant, ou pour un homme proche de vous, mais ça vous permet de prendre une nouvelle direction. Vous voyez, là, les choix s'imposent, les directions, et regardez, avec une belle ouverture. Je ne vais pas plus loin parce qu'en fait, c'est magnifique. Si c'est dans le domaine sentimental, vous allez vous séparer de quelqu'un. Pour permettre d'avoir un changement. Vous avez super protection, je ne l'avais pas vu, elle était cachée. Vous avez le miroir magique, si vous, mon consultant, ou un homme proche de vous, après vous pouvez inverser, c'est une femme, hein. Vous prenez une nouvelle direction, parce qu'il y a de l'ouverture, là, il y a une nouvelle proposition. C'est magnifique. Alors, si on n'est pas dans le cas d'une séparation, hein, j'y reviens, si on n'est pas dans le cas d'une séparation en parlant couple, vous allez vous séparer de quelque chose. Ça peut être d'un endroit, ça peut être, voilà, de quelque chose pour permettre d'avoir un beau changement. Et là-dessus, vous avez un miroir magique, vous avez super protection. C'est pour vous, bien entendu, vous êtes concerné, homme, femme, vous prenez une nouvelle direction et il y a une belle ouverture, une jolie proposition. Voilà. Alors, nous avons... Eh ben, le couple en dos, l'homme en dos de deck, la femme là dans le jeu. Donc, on inverse, hein, homme, femme. En tout cas, vous êtes là. Vous êtes là. Et il y a un peu de retard pour quelque chose. Ah, avec du retard, vous allez apprendre qu'il y a de la trahison. Oui, il y en a eu. Vous l'avez peut-être appris sur du retard. Bon. Et ça vous perturbe, hein? Ça vous met bien en sentiment d'échec. Peut-être vous retrouvez impuissant face à cette trahison. Ça aura mis du temps. Ou alors, on vous demande encore un peu de patience. Je sais, on l'aime pas, hein, cette carte. Mais voilà, un peu de patience. Pour l'instant, vous vous sentez enfermé. Vous vous sentez, on va dire, cloisonné. Mais regardez, il y a beaucoup de chance qui se présente à vous.
On l'a vu d'ailleurs en dos. Hein. Et vous allez pouvoir retrouver la tranquillité, les amis. Tout ceci va être loin derrière. On va signer. On va décider quelque chose, en tout cas. Il y a le contrat, là. Hein. Waouh, il y a de l'argent qui arrive, les amis. Est-ce que c'est un prêt bancaire qui arrive? Est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre? En tout cas, il y a de l'argent qui est là. Et nous avons le nouveau projet qui démarre, qui est bien déjà ancré, d'ailleurs, fécondité. Il y a quelque chose qui est bien. Le projet, il est bel et bien là. Il a bien démarré. Il y a beaucoup de câlins, il y a beaucoup d'amour. Et émotionnellement, vous êtes très, très impacté. Ça vous touche énormément. Pour d'autres personnes, il peut être question d'une grossesse. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous voulez, justement, avoir un enfant. Oh, regardez. Et c'est dans le foyer, dans la maison. On démarre bien un nouveau projet. Alors, pour tout à l'heure, quand on a vu séparation, j'ai dit, c'est pour vous, ma consultante. Effectivement, il y a peut-être un peu de retard, ou sur du retard, vous avez appris que vous avez été trahi. Bien, ça vous a mis vraiment mal en sentiment d'échec. Vous avez mis du temps peut-être à vous relever. On voit très bien que ça vous a miné, que ça vous a travaillé. Il s'est présenté quelque chose, une opportunité qui a fait que vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité. On a vu tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui est décidé. Il y a peut-être eu cette séparation, justement. Et c'est dans le foyer, c'est dans la maison. Il y a de l'argent qui est rentré, qui est arrivé. Ça vous permet de recréer quelque chose de nouveau. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, on recrée un calme au sein de sa maison. Alors, si ça n'a rien à voir sentimentalement, on a vu l'homme en dos, on voit la femme là. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de retard, ou il y a eu du retard. Mais en tout cas, on voit très bien que vous avez été conscient de savoir qu'autour de vous, il y a eu quelque chose qui n'a pas été. Trahison ou, bon voilà, un environnement peut-être, on va dire, malsain. Ça vous a miné, hein. Bien entendu, on ne peut pas le nier avec la carte de l'échec. Ça vous a mis pas bien du tout. Il a fallu peut-être un peu de temps pour se relever de tout ça. Ce qui explique que ça vous a miné. Vous vous êtes senti aussi, peut-être on vous a demandé patience, parce que vous vous sentez encore un petit peu enfermé. Ou on va dire, pas libre peut-être d'agir comme vous le voulez. Mais regardez, on a la chance qui arrive là. Il y a un grand coup de chance qui se présente à vous et vous allez pouvoir retrouver la tranquillité. C'est pas beau ça? Parce que vous allez signer quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui a été décidé. On voit que l'argent est là. L'argent va rentrer. Il est à côté de la carte chance en plus. Hein. L'argent va rentrer et vous allez pouvoir créer un nouveau projet. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de sentimental. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes très attaché. Hein. Il y a vraiment émotionnellement. C'est très joli et c'est au sein de la maison, dans le foyer. Peut-être une nouvelle maison, peut-être un changement de vie. En tout cas, c'est un très beau tirage, les amis. Je ne recouvre rien car de toute façon, on comprend bien l'histoire. Je pense que c'est simplement qu'à un moment donné, vous vous êtes senti un petit peu coincé, un petit peu miné de savoir si on allait y arriver. Mais on voit que le contrat est là, on voit très bien le sentimental, on voit le coup de chance, l'argent, les nouveaux projets, le foyer. Donc, c'est un beau tirage, les amis. Alors, on va regarder maintenant avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour notre pleine lune du 9 octobre. Pleine lune en bélier du 9 octobre 2022. Pour notre pleine lune du 9 octobre. Oups là. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Héritage, hasard. La famille derrière, les enfants. Ou tout simplement un héritage, hein. Alors, à la coupe, nous avons, bon, la méchanceté. Oui, on a vu qu'elle était présente, qu'elle était là, l'héritage. Il peut y avoir pour certaines personnes un souci de familial, hein, un rapport avec un héritage. Tout simplement aussi, peut-être, avec la famille, la méchanceté, les enfants. Bon, il y a du hasard qui arrive là. Et regardez, la sagesse. Bon, ma foi, rien de bien méchant. Hop, allez, 13 cartes, Monsieur Béline. Hop, voilà. Alors,
on retrouve cette méchanceté hein, au dos quand même. Hein. On veut bien nous informer qu'il faut agir avec sagesse. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui va nous travailler. La maladie, c'est parce que on a, vous voyez, avec stérilité derrière, sentiment que ça ne bougeait pas. On a vu l'échec tout à l'heure, l'enfermement. Donc, certainement qu'on a le sentiment que la méchanceté, ça perdure. Hein, mais on vous demande d'agir avec sagesse. Hein, parce que sinon, on voit que ça avance pas beaucoup, ça vous travaille, mais regardez. Il y a le bonheur qui arrive là, et regardez ça, avec ce navire, ce bateau. On prend l'eau là, on avance, ça bouge, ça évolue. Vous avez peut-être le sentiment que ça ne bouge pas beaucoup en ce moment, vous vous sentez un petit peu peut-être bloqué. Hein. Alors, nous retrouvons l'héritage, bien, alors ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ou tout simplement, effectivement, un héritage à régler. Hein. Dans le couple, alors ça peut être en relation donc avec la famille, les enfants, l'argent en tout cas. Bon, le couple est là. Du changement, le changement arrive. Le changement est là, regardez, départ. C'est joli. Il y a bien quelque chose de prévu dans le couple, dans l'union, dans l'accord. Il y a un accord qui est trouvé en tout cas pour un changement et on va vers un départ. Ah ah, et longtemps qu'on ne l'avait pas vu, notre petit chat. Bon, on s'en doutait un peu, on a vu tout à l'heure, hein, et on avait cette dame de carreau, n'oubliez pas, avec le jeu de 32. Bien, alors il y a de la trahison. Parfait. Dans ce que vous voulez créer, dans l'entreprise, dans le travail pour certaines personnes, dans l'activité pour d'autres, dans ce que vous voulez créer. Attention aussi dans votre environnement professionnel, hein, pour certaines personnes. Vous vous sentez attaché, lié, on l'a vu tout à l'heure. Ou bien, attention, c'est aussi par rapport à cette trahison, elle est dans quelque chose pour lequel vous êtes fortement attaché. Ça peut être un projet, ça peut être votre travail. Vol, perte. Et on essaye de vous mettre à mal, on essaye de vous gruger. Si c'est dans le domaine de l'argent, attention, prudence. On essaye peut-être de vous arnaquer. Soyez vigilants. La renommée veut dire que de toute façon, vous allez avoir les honneurs, vous allez sortir de tout ça vainqueur. Et pour aller vers une belle élévation. C'est pas joli, ça. Quoi qu'il en soit, il y a du hasard qui arrive. Et ce hasard, c'est l'argent qui est là. Exactement comme avec l'oracle des miroirs. Ah ah ! Alors, cet argent, on termine avec la carte de l'accident. On va aller voir pourquoi. Cet argent peut occasionner peut-être des soucis autour de l'environnement, avec la famille. Parce qu'on voit que l'élévation, on voit là que vous, il y a des projets qui sont là, hein, il y a le départ qui est là. Alors, on va recouvrir tout de suite, voir un peu accident, pourquoi. Bon, déjà, je vais de toute façon, on va. Vol, trahison. Accident, bien entendu. Je pense que cet argent... Il va y avoir autour un souci. Mais cela dit, vous avez une belle élévation. Hein. On voit que pour certains, vous allez partir. Alors, si on est dans le cadre d'une séparation, comme on a vu tout à l'heure, il faut quand même revenir dessus, effectivement, puisqu'on a la carte de départ. Hein. Cet argent, elle est là, et ça peut vous occasionner peut-être un souci de financier, si vous êtes en séparation, ce qui explique aussi qu'il y a du vol et perte. Vous allez peut-être vous faire gruger. Et malheureusement, voilà, vous allez peut-être vous retrouver avec moins d'argent qu'il était prévu. Hein. Ça, je parle pour les gens qui sont en séparation. Hein. Alors, vol, perte. Oh, ben regardez, vous avez l'appui. Alors, on va peut-être essayer de vous gruger. Ou bien, vous serez peut-être même pas au courant. On va en parler, on a vu les cancans tout à l'heure. Vous avez l'appui là-dessus. Donc, notre petit chat, ben, il nous demande d'agir avec sagesse concernant la trahison. Vous voyez, rien de bien méchant. Alors, par contre, notre accident, c'est sur le trafic. C'est vraiment ce que vous créez, c'est ce que vous allez faire. Je pense qu'il y a peut-être eu un souci autour de ça, ou il y en a eu un. Mais ça n'est pas négatif en soi, puisque, bon, on va peut-être essayer, je dis bien peut-être essayer de vous mettre à mal. Regardez, on a la carte de la table. Est-ce que lors d'une invitation ou lors de fêter quelque chose... Justement, vous n'allez pas prendre, avec cette trahison derrière, où on demande d'agir avec sagesse, est-ce qu'on ne va pas essayer de vous dire des choses qui font mal, par exemple, ou vous culpabiliser?
On voit bien que c'est par rapport à ce que vous décidez de faire. Hein. Trafic, c'est ce que vous allez créer, c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Et table, c'est où vous le fêtez, où il y a une invitation autour. Bon, peut-être que ça ne va pas très bien se passer par rapport à vos projets. Mais vous avez l'appui et vous avez la sagesse. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ce tirage spécial pleine lune du 9 octobre, pleine lune en bélier, vous a plu, vous a parlé ou vous parlera. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien, votre fidélité, vos appuis. Merci pour vos pouces j'aime, pour vos commentaires qui me font bien plaisir. Je suis ravie pour ma part de vous retrouver régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente pleine lune et je vous dis à bientôt.